copain. Bon, moi je crois ce qui va se passer tout simplement, les enfants. Hein. Moi je crois pour qu'on y arrive. Bon, arrête, Jérôme, avec le riz, t'es chiant, Jérôme. Arrête. Pas vrai, faut que je te le dise comment. Alors, je disais ce qui va se passer, moi je crois tout simplement. Hein. Moi je crois ce qui va se passer, c'est que tu vas en prendre une dans la gueule, Jérôme, si tu continues avec le riz. Alors, ce qui va se passer, c'est que tout le monde se sert. C'est quand même pas compliqué, on va pas passer 3 jours sur une photo, non? Allez hop, on se sert encore. Pas trop collé, Tony et Bertrand, hein. Là, il rate pas une occasion, c'est de là, je te jure. Hein. Oui, monsieur le curé. Oui, on se dépêche, il y a un autre mariage qui attend derrière. Hein. Bon, Monique. Bah, Monique, tu veux être flou sur la photo ou quoi, Monique? Qu'est-ce que t'as à gesticuler comme ça, t'es là, Monique? Hein? Oula, Monique, elle est en train de nous faire un malaise, les gars! Les gars, vite, pour Monique! 2 qui la tiennent! Merci. Bon, alors, une seconde, on fait la photo, hein? Bon, alors, attention. Allez, tout le monde est prêt. Sourire. Bon, Tony et Bertrand, vous avez qu'à vous rouler une gamelle tout de suite, comme ça, on est sûr que ça sera pas sur la photo! Non, c'est pas une question de largeur d'esprit, c'est le mariage de Béatrice et de Philippe, je signale. Eh ben oui, ben ça tire l'œil, ces trucs-là. On voit que vous sur la photo, hein. Bon, alors, attention. Allez, prêt. Sourire. Bon, Raymond. Alors là, je suis un peu étonné, Raymond, qu'à 45 ans, ben t'éprouves encore du plaisir à faire des oreilles de lapin à mamie, Raymond. Ben oui, à ton âge, ça m'étonne, Raymond, excuse-moi. J'ai dit, Raymond, encore que les gosses, ils balancent du riz, les gosses, hein. Bon, ben, vous avez acheté combien de kilos de riz aux gosses? C'est toi, Martine? Martine, quand je vois tes enfants, comment ils gâchent la nourriture, je me demande quelle éducation tu leur donnes, tu vois? Françoise, je me mêle de ce qui me regarde. Si tu as quelque chose à dire, tu attendras qu'on soit à la maison, s'il te plaît. De toute façon, j'ai dit, on va pas tarder à y aller à la maison, parce que je vais pas rester des heures dans ce mariage de merde, ça tu peux me croire, hein? Oui, ben la belle doche a fait la gueule, ben c'est un mariage de merde. Hein? J'ai pas inventé, il y a qu'à regarder le tableau. Regarde-moi ça. Heureusement que la mariée est en blanc, c'est le seul repère qu'on aura plus tard pour savoir que c'était pas un enterrement, ce truc-là. Regarde-moi ça, la gueule qu'ils font. Regarde ça, tonton Fernand. Tonton Fernand, il a pioncé pendant 1 heure sur son missel dans l'église. Il a encore la page 28 qui est calligraphiée sur la... C'est pas possible, tu vois. Bon, Philippe, il y a autre chose, il n'y a pas que le mariage, Philippe. T'as pris un PV avant de venir ou quoi? T'as vu la gueule que tu fais, Philippe?